Le rôle des entraîneurs, c'est de travailler, de pallier aux problèmes d'une équipe. Donc c'est mon rôle et j'essaie de le faire tous les jours. En fait, j'aimerais avoir tous mes joueurs. C'est la seule chose que je peux vous répondre. Ensuite, les mercatos et les mercatos à l'Olympique de Marseille, on les connaît. Hein, depuis 4 ans que je suis à l'effectif professionnel, il y a toujours ce genre de choses. Donc voilà, on s'adapte. Écoutez. Ouais, j'ai presque pas d'avis là-dessus. Je pense que on est des pros. Ça s'est pas passé comme ça. Tous les transferts se font pas de la même manière. Ça ne s'est pas passé comme ça. Si vous voulez plus de détails sur tout ce qui est mercato, le mieux c'est de parler avec Gunther Jacob, puisque on a un directeur sportif aujourd'hui et c'est lui qui s'occupe de ça. Moi, la seule chose que je peux regretter en tant qu'entraîneur, c'est de ne pas avoir un joueur en plus, c'est tout. Ben, le mercato n'est pas fini. Avoir mon effectif définitif, oui, j'aurais aimé l'avoir dès le premier jour, mais par contre, je savais que je ne l'aurais pas. Et je savais que, comme tu dis, la deadline, c'est le 1er septembre, et à partir de là, ben, on verra ce qui se passe. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, déjà, on va se renforcer en défense. Et puis après, s'il nous reste un petit peu d'argent, on essaiera peut-être de faire autre chose. Ouais. Et là, Sana Diarra, c'est un énorme joueur. Je crois que tout le monde le sait. Donc. S'il s'en va, ça sera un énorme coup dur, mais on a des joueurs en tête, on a travaillé, je veux dire, et Gunther continue à travailler avec Jean-Philippe Durand, donc il n'y a pas de problème, on trouvera des joueurs pour porter le maillot de l'OM et puis surtout être au niveau de cette équipe.